Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition en version française de TV Plus Madagascar. Je vous invite à suivre tout de suite les titres. Deux ressortissants étrangers, d'un Marocain et un Mauricien, ainsi que deux Malagasy, ont été arrêtés pour escroquerie, précisément pour une promesse d'emploi fictif au Canada. Ils ont demandé 250 à 450 euros par personne. Intéressé par cette offre d'emploi qui n'a rien laissé transparaître de frauduleux pendant les phases de préparation des dossiers selon les victimes. Le président de la République procédera au remaniement du gouvernement ce mois de janvier d'après une source. Le lobbying pour maintenir des ministres ou pour introduire de nouveaux ministres est en cours en ce moment. La présidence de la République procède actuellement à l'évaluation des réalisations des ministres de ce gouvernement. Tous les citoyens malgaches sont libres de pénétrer dans les lieux sacrés appelés douanes, mais ils doivent se conformer aux conditions d'accès des lieux, selon un responsable de l'Union pour la reviviscence et le respect des traditions malgaches ce jour, face au passage des exorcistes à proximité de ces lieux sacrés le week-end dernier. Les Républicains bataillent depuis mardi pour désigner dans leur rang le président de la Chambre des représentants. Kevin McCarthy est favori, mais plusieurs Républicains, trumpistes, bloquent le vote. Une situation qui pourrait s'avérer un sérieux handicap pour le parti ces deux prochaines années. À la une ce soir, deux ressortissants étrangers, dont un Marocain et un Mauricien, ainsi que deux Malagasy, ont été arrêtés pour escroquerie, précisément pour une promesse d'emploi fictif au Canada. Ils ont demandé 250 à 450 euros par personne intéressée par cette offre d'emploi qui n'a rien laissé transparaître de frauduleux pendant les phases de préparation des dossiers, selon les victimes. C'est seulement lorsque le départ a été reporté à plusieurs que les victimes se sont inquiétées et ont contacté les forces de l'ordre. D'après les explications, aucune offre d'emploi vers le Canada n'a été enregistrée ces derniers temps et ces deux ressortissants étrangers ont déjà fait l'objet d'enquêtes pour le même genre d'affaires en Turquie, en Algérie et en Afrique du Sud. Reportage de Mamtin Nanjambloul et d'Omega Renevdon. Ils sont une trentaine à avoir été victimes de cette escroquerie d'emploi fictif au Canada. D'après les victimes, on leur avait proposé des postes de jardinier, de nounou ou d'informaticien au Canada au mois de novembre pour un départ prévu le mois de décembre 2022 dernier. On leur avait donc enjoint de préparer leur dossier le plus rapidement possible et de s'acquitter des frais de dossier de 600 000 agiages. Par la suite, on leur avait demandé la somme supplémentaire de 250 à 450 euros suivant le poste demandé à payer en euros. Les victimes ont fait tout leur possible pour trouver les sommes nécessaires, allant jusqu'à vendre leurs possessions, explique toujours cette mère de famille. Aucun problème n'a été détecté dans la mesure où le traitement des dossiers semblait suivre les procédures normales, précise-t-elle. On leur avait même demandé de payer 85 000 agiages en plus pour les vaccinations, une somme que les victimes avaient payée sans se douter de rien. Or, à l'approche de la date de départ, les responsables de l'offre d'emploi les avaient contactés pour annoncer le report du départ, prétextant que certains candidats n'avaient pas encore payé la totalité des sommes demandées, situation qui s'est renouvelée et qui a fait naître des soupçons chez les candidats victimes. Ainsi, ils ont contacté les forces de l'ordre qui ont procédé à leur enquête. Il s'est avéré que l'offre d'emploi pour le Canada n'existait pas, car aucun accord allant dans ce sens avec ce pays n'a été contracté par le ministère de tutelle. Les forces de l'ordre ont donc effectué des perquisitions au domicile des responsables et ont déjà constaté qu'ils s'étaient préparés à prendre la fuite. Les enquêtes ont également révélé que ces ressortissants étrangers
Notamment, la Marocaine avait déjà eu affaire avec la justice pour escroquerie d'emploi fictif en Afrique du Sud, en Turquie et en Algérie. Elle avait déjà été auditionnée dans ces pays et même son mari avait déjà été mis sous les verrous pour les mêmes motifs. Les quatre personnes impliquées dans cette affaire ont donc été arrêtées et déférées au parquet ce jour. Quant aux victimes, elles en appellent aux autorités compétentes à se pencher sur le cas dans la mesure où ils ont tout perdu dans cette affaire. Un bon nombre d'entre elles ont effectué des prêts bancaires ou ont vendu leurs biens et sont sur la paix actuellement. Ils demandent bien évidemment à se faire rembourser par les auteurs de l'escroquerie. Question politique. Le président de la République procédera au remaniement du gouvernement ce mois de janvier, d'après une source. Le lobbying pour maintenir des ministres ou pour introduire de nouveaux ministres est en cours en ce moment. La présidence de la République procède actuellement à l'évaluation des réalisations des ministres de ce gouvernement. Pour les politiciens, le président de la République doit fonder un gouvernement prêt à faire front dans la bataille électorale de 2023. Les détails signés Zoura Bardon. Après la présentation de vœux des membres du gouvernement au couple présidentiel le mercredi 4 janvier 2023, une source bien informée a annoncé que le président de la République procédera à un remaniement du gouvernement, remaniement qui sera fondamental et non un mini-remaniement, comme l'auraient suggéré certains quotidiens de la capitale. Jusqu'à ce jour, aucune information n'a filtré concernant les ministres qui seraient reconduits ou limogés lors de ce remaniement. Par contre, quelques ministres ont publié sur les réseaux sociaux qu'ils étaient prêts à laisser leur portefeuille comme ils l'avaient été à l'accepter. C'est à partir des résultats de leur mission que le président de la République fait l'évaluation des ministres. Le lobbying pour introduire de nouveaux ministres est en cours actuellement, d'après toujours cette source. 2023 sera une étape cruciale pour le peuple malgache. Certains politiciens ont proposé que le président de la République porte son choix sur des ministres crédibles et respectés par la population afin d'établir un gouvernement qui puisse faire face à la bataille électorale de cette année. Ce sera le quatrième remaniement de gouvernement qu'aura connu le régime Radwane depuis sa mise en place. Tous les citoyens malgaches sont libres de pénétrer dans les lieux sacrés appelés douanes, mais ils doivent se conformer aux conditions d'accès des lieux, selon un responsable de l'Union pour la réviviscence et le respect des traditions malgaches ce jour, face au passage des exorcistes à proximité de ces lieux sacrés le week-end dernier. Reportage. Tous les citoyens malgaches, de quelque origine qu'ils soient, sont libres de pénétrer dans les lieux sacrés appelés douanes, mais ils doivent se conformer aux conditions d'accès des lieux, selon un responsable de l'Union pour la reviviscence et le respect des traditions malgaches ce jour, face au passage des exorcistes à proximité de ces lieux sacrés le week-end dernier. Les chrétiens peuvent librement accéder aux lieux, mais à condition de respecter les règles, d'après toujours ce conservateur des traditions malgaches. Malheureusement, les derniers n'avaient pas ôté leurs chaussures à leur entrée sur les lieux, ce qui constitue une profanation, a expliqué ce membre de l'Association des conservateurs des cultures ancestrales ce jour. Ces actes de délivrance qu'ils ont proclamé avoir effectués dans les douanes ne sont pas non plus interdits, comme l'accès aux églises est totalement libre. Le non-respect des tabous a été leur unique erreur. Par conséquent, les profanateurs devraient faire acte de rédemption et se renseigner sur les rites à suivre. L'association d'ajouter que la méconnaissance des différents aspects de la culture malgache par les nouvelles générations, ainsi que l'insuffisance d'initiation sur les traditions par les anciens, figure également parmi les causes de tels impairs et manifestations irrespectueuses. Les habitants et les maires du district de Tirunmandid sont à nouveau descendus dans la rue pour exiger aujourd'hui le limogeage du préfet de Tirunmandid. Ils n'acceptent plus les abus de pouvoir dont se rend coupable le préfet, selon le rapport des maires, raison pour laquelle ils ont manifesté dans la rue. Si les revendications de ces maires ainsi que d'une importante frange de la population à Tirunmandid avaient été suspendues pendant quelques mois, elles ont repris de plus belle actuellement face à la réalité et aux répressions que subissent les habitants de cette localité.
La multiplication des abus de la part du préfet est devenue insupportable, témoigne cet homme qui affirme encore avoir versé de l'argent sans recevoir de reçu en retour. Au vu de cette affaire, le gouverneur de la région de Bunglav a déclaré hier soir que Madagascar était un état de droit et qu'il était prêt à appliquer ce statut. À la tête de la région depuis 2 ans, les efforts déployés pour une bonne gouvernance et pour le développement ont été nombreux et ne doivent pas être entravés selon ses dires. Le préfet, de son côté, n'a pas voulu s'exprimer, estimant qu'il y a des supérieurs et des responsables étatiques qui sont à mieux même d'apprécier sa situation. Neuf personnes impliquées dans la mort de 80 paillons-queues, une espèce d'oiseau protégé à Nousvé, au large d'Anakor, dans le district de Toliara 2. Les présumés suspects sont des pêcheurs qui ont été vus en train de vaquer à leur occupation quotidienne au moment de la découverte des oiseaux tués, selon le directeur général du ministère de la Pêche. Les motifs d'abattage de ces oiseaux protégés restent encore flous, mais d'après les premiers constats, on aurait affaire à du braconnage. Récit de Gracia, Angie Atitouir. Un cas de braconnage d'oiseaux protégés, plus précisément des paillons-queues, a été constaté à Nousi Bé, proche d'Anakor, dans le district de Toliara 2, d'après le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, dont les responsables enquêtent sur place. 80 paillons-queues ont été retrouvés morts à Nousvé le 4 janvier 2023, une espèce d'oiseau bénéficiant d'une protection rigoureuse car on ne les trouve que sur Nousvé à Madagascar et qui sont l'attraction phare pour les touristes visitant cette île. Ils ont également une garantie de revenus pour le secteur du tourisme. En 2022, l'île de Nousvé abritait 800 paillons-queues, 9 pêcheurs aperçus sur ces lieux, dont 5 hommes et 4 femmes sont présumés impliqués dans cette affaire, selon le directeur général du ministère de la Pêche. La raison pour laquelle ces oiseaux ont été abattus est encore incertaine, mais les 9 suspects font déjà l'objet d'une enquête qui fera sûrement la lumière. Le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue a précisé que l'île de Nousvé était un endroit tabou et redouté par la population locale à cause du vourbé, qui hanterait les lieux vénérés par les pêcheurs en quête d'une pêche fructueuse. À noter que selon une légende, le paillon-queue serait une sirène tombée amoureuse d'un triton. Les deux amants furent métamorphosés par un mauvais génie en oiseau. On raconte qu'ils survolent les océans à la recherche de leur royaume sous-marin perdu, d'où la beauté de l'oiseau comme de son baillet marin. C'est maintenant l'heure des actualités internationales. Les Républicains bataillent depuis un mardi dans leur rang. Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, est favori, mais plusieurs Républicains trumpistes bloquent le vote. Une situation qui pourrait s'avérer un sérieux handicap pour le parti ces 2 prochaines années et dont pourraient profiter les démocrates. Explication sur France 24. Ajournement de séance après une 11e tentative. Les élus de la Chambre des représentants se donnent donc rendez-vous pour la 4e journée consécutive, ce vendredi à minuit, pour enfin peut-être élire un speaker à la Chambre basse du Congrès. C'est simple, la représentation nationale n'avait pas connu de crise aussi profonde depuis la guerre civile américaine. La nuit était tombée depuis plusieurs heures déjà sur le dôme du Capitole quand, excédés, les parlementaires démocrates et républicains se sont séparés, à l'exception peut-être de la poignée de volontaires républicains centristes et conservateurs qui vont tenter cette nuit d'enfin trouver un accord et donc une sortie de crise. Jusqu'à présent, toutes les négociations ont échoué et même si tous les points de blocage ne sont pas connus, il semble que les divergences au sein du Parti républicain soient à ce stade irréconciliables. Kevin McCarthy avait pourtant été investi par son parti et lors des 117 législatures précédentes, la désignation du speaker n'a pas toujours été une formalité, mais elle ne s'était jamais transformée en le psychodrame auquel assiste l'opinion publique américaine en ce moment. Même le nom de Donald Trump a fini par être avancé comme candidat potentiel puisque, étrangeté de la Constitution des États-Unis, il n'est effectivement pas nécessaire que le speaker soit un élu de la Chambre. Pourtant, même dans ce contexte de blocage qui apparaissait encore total ce jeudi soir, on imagine mal comment
Kevin McCarthy ne pourrait pas finir par être désigné, puisque plusieurs scénarios de sortie de crise se dessinent, y compris ce qui semblait inenvisageable il y a encore quelques jours, comme le fait que les élus démocrates, cette fois, finissent par s'abstenir de voter en créant de facto une majorité artificielle pour les républicains modérés. Nous enchaînons toujours dans les actualités internationales. La Cour suprême indienne doit débuter l'examen des requêtes déposées par deux couples homosexuels qui réclament la légalisation de mariage entre personnes de même sexe. La plus haute instance judiciaire du pays a également sollicité le gouvernement pour qu'il se prononce en faveur ou non du mariage pour tous. Un sujet sensible en Inde, pays conservateur où l'homosexualité reste majoritairement tabou. Le correspondant de France 24 a rencontré les deux couples qui ont saisi la Cour suprême en Inde. À Hyderabad, dans le sud de l'Inde, Supriyo et Abhay sont en couple depuis 10 ans. Fin 2021, ils organisent une cérémonie au cours de laquelle ils échangent leurs vœux entourés de leurs proches. Une union présentée à l'époque comme l'un des tout premiers mariages entre personnes de même sexe dans le pays. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi attendre? Notre entourage, nos familles sont au courant que nous formons un couple. Nos amis, nos collègues, nos étudiants, tout le monde nous a toujours montré son soutien. Alors pourquoi attendre? Faisons une cérémonie. Appelons tous nos proches et montrons-leur que nous sommes ensemble et surtout heureux d'être ensemble. Pourtant, 4 ans après la dépénalisation de l'homosexualité, le mariage gay n'est toujours pas autorisé en Inde. Les deux hommes ont saisi la Cour suprême pour que leur union soit officiellement reconnue et donner ainsi plus de visibilité aux couples LGBT. Le mariage reste un moment très important dans la société indienne. Si vous n'êtes pas marié, d'une certaine manière, vous en êtes exclu. Alors, si ce changement intervient, si nous finissons enfin par obtenir le droit de nous marier légalement, automatiquement, cela nous permettra d'être davantage acceptés par cette société. Et cela va en plus permettre de lancer un vrai débat. Cela va permettre à d'autres personnes de faire leur coming out et de proclamer haut et fort leur sexualité. Bénéficier des mêmes droits que les couples hétérosexuels, c'est également ce que revendiquent Parth et Uday. En couple depuis 17 ans, ils élèvent deux enfants conçus par GPA. Mais l'impossibilité de s'unir devant la loi les empêche d'exercer pleinement leurs droits parentaux. Officiellement, seul Uday est reconnu comme le père de leurs deux enfants. Nous avons deux enfants ensemble, mais je n'ai aucun statut juridique. Légalement, je n'existe pas. Je ne suis pas leur père. Alors que dois-je faire? Je dois me battre pour obtenir ce droit. Si mon partenaire venait à mourir, aurais-je automatiquement un droit sur mes enfants? Non. Si l'un de mes fils doit être hospitalisé, que mon partenaire n'est pas présent et que seul un parent proche peut prendre une décision médicale en urgence, suis-je parent proche? Non plus. Si dans les prochaines semaines, la Cour suprême se prononce en faveur de l'union entre deux personnes de même sexe, l'Inde deviendrait le deuxième pays d'Asie à reconnaître le mariage homosexuel, après Taïwan en 2019. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On se revoit tout de suite dans le journal en version malagasy. Au revoir.